joie, oracle de Dieu, on va rester debout pour prier pour ta parole. Père céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je vais d'abord te dire merci d'avoir agréé mes louanges, mes actions de grâce, ma prière d'aujourd'hui. Je vais maintenant écouter ta parole. J'ai quitté ma maison pour cela, ô Dieu de grâce. Laisse que mon entendement, ma compréhension puisse être libérée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Car je vais connaître la vérité. La vérité qui est ta parole. Et elle va m'affranchir. Seigneur, je te dis merci de me délivrer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'esprit de Jézabel est brisé, certainement la puissance et la mort est passée. Et Saint-Wézali a l'orange, louange, beaucoup de louanges. Expérience de la joie. L'autorité de Jésus-Christ est là. Essentiel est dans la joie aujourd'hui. Et Saint-Wézali m'a cassé. Gloire à Jésus-Christ. Nous glorifions son nom. Son nom est vivant. Que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. La nouvelle année, c'est ça. C'est comme la nouvelle année, des jours de célébration. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a eu la célébration dans votre esprit. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons la série d'enseignements je vais prier. Je priais, je suis allé vers Joséphine et me regardait, c'est comme si elle me connaissait déjà. Ok, hein? On a déjà scellé cet enfant pour la gloire de Dieu, ainsi il en sera dans sa vie. Alléluia, toute âme est venue contre, et cet enfant va demeurer nul et sans effet. Alléluia, amen, amen. Je commence par là, ce que je vais déclarer, c'est quel genre de prière. Alléluia, hein? La déclaration d'une prière prophétique, amen. Vous allez voir ça à la fin. Nous continuons l'enseignement sur les... Nous sommes dans l'enseignement sur l'indispensabilité de la prière. On a commencé la série de toutes sortes de prières. Parce qu'il faut rendre cet enseignement pratique dans les choses que vous devez faire pratiquement. Dimanche passé, on a parlé de la prière par l'esprit. La prière en langue inconnue. Ne dites jamais en langue simplement. Dites en langue inconnue. Cela peut être des langues célestes ou des langues des hommes que toi tu ne connais pas. Parce que si j'ai prié en Yoruba, je ne connais pas Yoruba, mais c'est une prière en langue inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui s'est passé le jour des apôtres. Ou la prière dans l'esprit, où l'effusion du Saint-Esprit est sur toi. Tu pries les paroles que tu n'as pas préparées, mais tu pries en français, tu pries en langue malgache, tu pries en Yoruba. Si tu es Yoruba. Alléluia. Si tu es anglais, tu pries en anglais, mais ce n'est pas les paroles que tu as préparées. Ça s'appelle la prière dans l'esprit. C'est qu'on a enseigné dimanche passé. J'ai conclu en disant que la prière par l'esprit, en langue, peut être toutes sortes de prières. Vous pouvez trouver dans la prière de la foi que nous allons voir aujourd'hui, vous pouvez voir là-bas les prières d'autorité, vous pouvez voir là-bas la prière d'intercession, vous pouvez voir dedans la prière, plutôt les supplications. Tout cela, vous le faites en des langues inconnues que toi tu connais, parce que c'est ton esprit à toi et en train de prier sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alléluia. En résumé, ce qu'on a vu dimanche passé. Alléluia. Des enseignements comme ceux-là, c'est des enseignements vraiment doctrinaires et didactiques. Il faut les garder, il faut les supporter. C'est avec ça que vous allez essayer d'aider les autres croyants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, tout le monde dans Éphésiens chapitre 18. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 18. Oh, qu'est-ce que je dis là? 6, 18. Alléluia. Paul disait, faites en tout temps par l'Esprit, avec un grand. Et donc, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Donc, il n'y a pas un moment que le chrétien peut dire, je ne prie pas. Vous avez des enseignements qui se donnent, oh, maintenant c'est la saison de prière. Mais l'Esprit me disait, là, il n'y a pas, les chrétiens ne doivent pas avoir la saison de prière. Les chrétiens doivent être en prière d'une manière persévérante. Prière, Paul dit quoi? Une entière persévérance. Si tu pries avec une entière persévérance, tu vas avoir des saisons de prière. Non, on prie beaucoup,
à cette perception, on diminue un peu. Non. Parce que la prière, c'est une vie comme la vie. C'est ta vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Quel est cet enfant qui ne va pas communiquer avec son père? Tu es étranger, tu es dans une terre étrangère qui est la terre. Tu as besoin d'être en communion avec le Père comme Jésus était en communion avec le Père constamment. Oh, pour être en communion avec le Père, tu dois lui parler. Tu communiques par la prière. Il te répond par la prière. Alléluia. C'est une entière persévérance. Donc, il n'y a pas un moment où tu vas dire, oh, je baisse un peu et puis je monte un peu. La période de Pâques, je prie beaucoup. La prière de fin d'année, je prie beaucoup. Après, je relâche. Mais non, le diable n'a pas de période, il va te voir. Alléluia. Donc, une entière persévérance. Moi, je vous montre toutes les sortes de prières pour que vous soyez pratiques dans votre prière. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voyons la deuxième sorte de prière qui s'appelle, j'ai nommé, la prière des ayants droit. Ça s'appelle la prière de la foi. Nous voyons aujourd'hui la prière de la foi. Très citée, très, très peu pratiquée. Si nous avons tous les prérequis pour pouvoir faire cette prière, notre vie chrétienne sera une vie simple et de victoire. Alléluia. La prière de la foi. C'est la première puissance de prière que nous voyons aujourd'hui. On va avoir peut-être deux ou trois. Mais je vais beaucoup parler de la prière de la foi. Je disais que c'est la prière des ayants droit. Des enfants de la maison. Des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la prière de quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Qui obéit à Dieu. Qui demeure dans l'alliance. J'ai donné dans un enseignement qui s'appelle la route de la grâce il y a en 2000. L'obéissance te garde dans l'alliance. Mais la foi te fait obtenir des choses qui te feront vivre dans cette période de la grâce. Celui qui n'est pas obéissant, qui développe la foi, il est dans la prétention. Un jour, il va être comme les sept fils des sacrificateurs, Sheva, écrit dans Actes 19. Pour avoir la foi, faire les prières de la foi, tu dois être un enfant de la maison, un enfant de Dieu. Qui demeure dans la parole. Alléluia. Parce que je dis, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Comment vous demandez à Jésus? C'est par la foi. Alléluia. Mais la conscience, tu dois demeurer en lui. Alléluia. J'ai écouté un prédicateur qui dit, non, Jésus n'agit pas à cause de votre paysage, il n'agit pas à cause il n'a pas à cause de son sacrifice à la croix. C'est archi faux. Yeah, les gens, il y avait au moins 10, combien? Au moins Moïse, il y avait 5000 personnes dans le stade. Tout le monde, ah! Et puis les chaînes de télévision a mis ça comme publicité de ses pasteurs. Tout le monde a dit, ah! Il est bien habillé en costard, mais il est comme un Asiatique là. Mais faites attention. On doit demeurer dans l'obéissance. Si vous ne demeurez pas, vous allez dire, mais pas ce que je dis. Jean, c'était l'apôtre qui était près de Jésus. Avant juste de parler de la prière de la foi, j'ai parlé des prérequis de la foi. Rapidement. Et Jean, alors ben, j'avais pas prévu de parler de ça. 1 Jean 3, verset 22. Il dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Répondez-moi. C'est le Nouveau Testament. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ce commandement, nous faisons ce qui lui est agréable. Garder ce commandement, c'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Jean 14 ou Jean 15, verset 7, je crois. Et si ma parole demeure en vous, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Si vous demeurez en lui, vous êtes comme dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri de quoi? Du Très-Haut. Amen. Pourquoi ça commence de ce psaume? On commence par les versets 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et puis, on commence à déclarer qu'il me délivrera des filets de l'oiseleur. Amen. Avant même que la foi n'agisse, toi qui ne peux pas dire que tu vas agir par la foi, si tu n'es pas, si tu es un enfant prodigue, tu es dans la désobéissance. Alléluia. La prière de la foi, si nous prenons Luc chapitre 15, qui nous parle de l'enfant prodigue,
C'est la prière que devait faire le fils aîné. Vous connaissez le fils aîné dans cette parabole? Le fils aîné était dans la maison et dit à son père, mais pourquoi tu es un veau gras pour celui qui était rebelle? Mais écoutez la réponse un peu dans Luc chapitre 15, allons un peu rapidement. Beaucoup de choses, Dieu a dit beaucoup de Torah dans mon cœur aujourd'hui. Soyez prêts, il y a beaucoup de choses que Dieu nous parle, beaucoup de bonnes choses nouvelles que Dieu nous donne aujourd'hui. Nouvelles pour nous, mais qui sont de la parole de Dieu toujours. Alléluia, Luc chapitre 15. Je suis en train juste d'introduire la prière de la foi parce qu'il ne faut pas sauter sur ça. La prière de la foi, c'est la prière d'un chrétien normal. D'un chrétien qui vient en obéissant devant Dieu. Amen. Luc chapitre 15, verset 31. Il dit, ça c'est le fils aîné est arrivé, se plaignait de ce que le père a accueilli l'enfant qui était rebelle. Et puis il a tué un veau gras pour lui. Il répondait à son père, voici il y a tant d'années que je te cesse d'avoir jamais transgressé tes ordres, jamais tu m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il dit, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Tout ce que Dieu a est pour elle. Et après, répondez à haute voix très fort. Tout ce que Dieu a est pour elle. Amen. C'est pour nous et c'est pour toi. C'est pourquoi Paul dit dans les Épîtres, tout est à vous. Je n'ai rien inventé. Amen. Un titre de Corinthiens, Paul dit que tout est à vous. Amen. Quand tu es enfant, tu deviens dans l'alliance. Tout est à toi. Mais c'est pas, il te demande une seule chose de recevoir, c'est simplement, comme s'il disait, arracher en paix. C'est seulement avec la foi, arracher cela. Recevez cela. Alléluia. C'est la prière que devait faire tous les chrétiens normalement. Malheureusement, les chrétiens, vous voyez, ils sont dans les supplications, parce que tout le temps, ils sont fautifs, ils transgressent la loi de Dieu volontairement tout le temps. Mais quelqu'un qui demeure dans l'obéissance, quelqu'un qui demeure dans l'union avec Dieu, sa prière sera cette prière que nous allons voir, s'appelle la prière, hein, de la foi. Amen. C'est une prière puissante. C'est une prière de l'enfant qui doit. Dieu a dit à l'office de Dieu, tu n'as pas transgressé ma loi. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Il dit à l'enfant prodigue, toi, ton chemin, c'est la repentance. Je suis un Dieu de grâce de repentance. Si tu te repens, tu me supplies, je vais te pardonner pareil. Vous comprenez cela? Amen. Donc, Dieu ne rejette pas ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est important que nous comprenions que cette prière de la foi, elle est rare aujourd'hui. Mais c'est elle qui produit le miracle. Si quelqu'un connaît ce secret-là, c'est pourquoi on voit le miracle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne parle pas de don du miracle. Je parle de la prière de la foi. Amen. Nous voyons que notre Père est dans la foi, qu'il était guéri. Avant qu'il devienne patriotiste, il priait pour les malades étaient guéris, mais priait par elle, la foi. Quand il est venu pentecôtiste, que le Saint-Esprit l'a touché, les dons de guérison ont commencé à s'opérer. Pour les dons, je n'ai pas besoin de foi. Les dons s'opèrent, les gens sont guéris. Alléluia. Mais Dieu n'a pas laissé les affaires offertes, il a un chemin égalitaire pour tout le monde. C'est le chemin de la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est une prière à faire seulement pour quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Les enfants de Dieu. Quand tu t'es repenti, tu es en communion avec Dieu, tu peux faire la prière de la foi, tu vas avoir les résultats. Amen. Cette prière est premièrement faite sans doute dans le cœur. Alléluia. Nous allons un peu décrypter cela tranquillement. Amen. Sans doute dans le cœur. Revenons dans Marc chapitre 11. Amen. C'est-à-dire les gens, foi, mais on voit les chrétiens sont misérables. Ils ont vu même des fois les non-croyants. Il y a même des non-croyants qui sont plus positifs que les chrétiens. Hein? Mais ils sont dans le chemin de la mort, mais ils sont plus positifs. Mais vous avez la vie, vous ne pouvez pas être dans le chemin de la vie. Marc chapitre 11. Alléluia. À partir du verset de Jésus, prit la parole et leur dit, à partir du verset 22, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, porte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Premièrement, Jésus au verset 20 dit,
Ayez foi en Dieu. Amen. Et puis, je vous dis, si quelqu'un a la foi, et qui dit à cette montagne, à cette circonstance, quitte ici, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est la prière que Jésus a fait tout le temps sur cette terre ici. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne doutes pas son cœur, c'est pourquoi je dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Ayez foi que tu as reçu. Comprenez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, cette prière-là, quand tu le fais, c'est une prière qui est basée sur les promesses de Dieu. La promesse qui sous-tend cette prière, nous le voyons dans Luc chapitre 11, verset 9, quand il dit, demandez, on vous donnera. Alléluia. Quand tu demandes à qui? À Dieu. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Tu demandes quoi? Soit là où il y a des problèmes. Tu demandes tout ce qui est promis qui est ici. Alléluia. Tout ce qui est promis qui est dans ce livre ici t'appartient. J'ai dit que tout était à vous. Alléluia. Le fils aîné, Dieu lui a répondu, tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Donc, tu demandes tout ce que Dieu promet. Que ce soit la guérison, que ce soit ce que tu as besoin tous les jours. On va voir décrypter en détail la prière de notre Père à la fin de cet enseignement. Alléluia. N'importe quoi que tu vas demander, que Dieu a permis implicitement dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois le recevoir. D'abord dans ton cœur et tu le verras s'accomplir. Amen. C'est pourquoi, même quand j'ai fini, si pas la maison, je dis, qu'est-ce qui est passé? Peut-être que ça fait 20 ans que je n'ai pas compris. Dieu dit que nous devons d'abord recevoir ça dans le cœur. Si ça dans le cœur, tu as des doutes, c'est que tu n'as pas reçu. Amen. Parce qu'il dit que si tu doutes, c'est lui qui ne doute point en son cœur. Si tu ne doutes point à ton cœur. Donc quand tu doutes dans ton cœur, tu n'as pas reçu. Quand tu ne doutes pas, tu as reçu. Et tu le verras quoi? Ça complet. Ça devient la prière de l'enfant de la maison. La prière des chrétiens normal. Alléluia. Amen. N'importe quoi que tu demandes. Quand il s'agit des choses qui vous possédez là, qui sont comme l'argent, par exemple. J'ai aimé beaucoup l'enseignement de Kenneth Hagin sur ça que j'ai suivi il y a quelques années, j'ai encore suivi il y a quelques temps. Et il avait des problèmes d'argent tout le temps. Et puis, Dieu a donné cette révélation que je vous partage aujourd'hui. Quand une révélation vient de quelqu'un, tu dois pouvoir lui dire d'où ça vient. Dieu lui a dit, la terre, j'ai donné le jardin d'Adam à Adam et Ève. Adam, c'est lui qui l'a vendu au diable. Donc, tout ce qui est de la terre, en principe, était donné à Adam, qui devait être le maître de ce monde, mais il l'a vendu au diable. Mais aujourd'hui, avec la rédemption, vous, mes enfants, vous êtes comme retournés dans les temps où vous étiez à Adam, vous devez prendre autorité sur tout ce qui est mal. Exigez à l'argent que le diable, votre argent que le diable retient, exigez de lâcher sa main et commander cet argent de venir. Il n'avait jamais manqué l'argent jusqu'à l'âge de 95 ans qu'il est mort. C'est une chose. Un exemple. Amen. Tu vois que ta vie, il y a des choses qu'on t'a volées. Quand tu es dans le monde, tu t'es beaucoup promené, tu es parti avec tel, tu es sorti avec tel. Tu sais pas c'est qui. Ces gens t'ont volé tes années de vie. Ils ont volé tes choses. Quand tu deviens chrétien, ne reste pas comme. La rédemption n'est pas automatique. Tu dois récupérer cela par la prière. J'exige à Satan de tout ce qu'on va voler dans tel. Et des choses que j'avais commenté pendant que j'étais dehors, de retourner cela. Lâcher sa main, il va lâcher sa main. Alléluia. Là, tu fais de la prière, tu fais une prière de foi. Mais ce n'est pas la prière de la foi, c'est comme nous voyons aujourd'hui là. Là, tu fais la prière d'autorité, nous avons. La prière d'autorité, c'est une prière de la foi, mais dirigée contre les diables et contre les circonstances. Alléluia. La prière de la foi, elle est dirigée vers Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, que vous priez. C'est parce que les choses là vous appartiennent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez beaucoup de chrétiens
après avoir prié, vous avez prié, la personne a dit Amen, et puis la personne vient de parler encore de son problème sans vous dire n'avez pas prié. C'est ce que la prière de la foi n'a pas marché. Alléluia. Quand tu es dans le mystère, tu rencontres une personne comme ça là, ne commets pas l'erreur, je jugeais, on va voir ça plus tard, de faire l'accord, de prier l'accord avec cette personne, ça ne marchera pas. Toi, prie pour cette personne là. Avec ta foi, toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux prier pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Toi, avec ta foi, en louant le nom du Seigneur, et puis tu pries, ta prière de la foi va libérer la personne. La prière de la foi permettra que ton pardon, les péchés de cette personne soient pardonnés. Alléluia. Amen. On va revenir sur un détail, sur celle-là, il y a beaucoup de détails dans ces prières-là. Alléluia. Donc, c'est une prière qui conduit au miracle. La première chose, ton cœur doit recevoir. Si ton cœur ne reçoit pas, la prière ne va pas passer. Quand ton cœur a reçu, tu dois démontrer le comportement de quelqu'un qui a reçu. Amen. Tu es en paix, tu es joyeuse, tu ne murmures plus. Même si la chose ne s'est pas encore accomplie, pour toi tu sais que la chose s'est accomplie, tu vis, tu passes à une autre étape de vie, parce que cette chose là-bas s'accomplit. Alléluia. Quand tu as reçu avant d'avoir vu, ton comportement doit démontrer que tu as reçu. Amen. C'est pourquoi avant même cet enseignement-là, vous devez comprendre ce quoi la Bible appelle la foi. Beaucoup connaissent ça peut-être ici. Aujourd'hui, on va prier. La révélation va être dans votre cœur de ce que c'est la foi aujourd'hui. Alléluia. Alors dans Hébreux 11, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est allé à repentance, repentance étonnant. Repentance étonnant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 11, verset 1, nous voyons. Parce que puisque tu vas, le chrétien est appelé constamment à faire les prières de foi. Celui qui marche bien. Si tu vas voir le chrétien qui obéit à Dieu et qui est déçu dans la vie parce que les choses ne marchent pas, tu dois pouvoir agir par la foi. Rappelez-vous une phrase solennelle que Jésus a prononcée à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Alléluia. Si tout est accompli, les héritiers, les co-héritiers de Christ doivent, nous sommes les co-héritiers, nous devons recevoir cela par la foi. C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'est la foi exactement. Alléluia. La foi est une ferme, Hébreux 11, verset 1, nous lisons nous tous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Quand je prie dans la foi, quand je fais la prière de la foi, je dois être assuré que ce que je demande, je le reçois. Avant de l'avoir vu. Et je dois commencer à démontrer que j'ai reçu la chose. Alléluia. Amen. J'ai fait la prière de la foi pour quelqu'un. Et puis il me dit, mais oh, ça fait une semaine depuis qu'on m'a donné un diagnostic grave là. Tu as juste prié, tu as dit avec autorité, je déclare cela nul et sans effet, cela ne sera pas dans ta vie. Et puis tu as disparu. Tu m'as laissé seul. Je dis, mais j'ai fait ce qui était essentiel. C'est fini là. Regarde là, frère. Moi, je suis pas Dieu là. Hein? L'essentiel, je l'ai fait, c'est celui-là. Toi maintenant, je t'ai mis la parole, écoute la parole, et quitte la parole qui guérit, développe, reçois cela tout simplement. Hein? Et puis il vient, ah, oh la poche qui avait des sangs est devenue blanche. Ah, je vais rendre grâce. Dit, non, non, tu n'as rien compris. Tu as déjà été guéri. Que la poche soit rouge, bleue, hein? Ne t'occupe pas de la poche. Dimanche passé, j'ai prêché avec un doigt. Mon doigt, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est la fois qu'on peut marcher. Je ne pouvais pas prêcher dimanche passé. Mon doigt venait de coincer à la fenêtre, là, comme ça, là. À la grande, la grande fenêtre du patio, là, comme ça, paf. Donc j'avais, pendant tout l'équipe, à cause de la foi, mais juste après l'équipe, j'ai commencé à voir mal. Quand je commençais à regarder le doigt. Alléluia. Donc tu dois démontrer que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ont cette particularité d'être des gens qui expriment la paix. On voit qu'ils sont en paix. C'est comme s'ils n'avaient pas de problème. Mais nous, les problèmes, ils auraient soumis à Dieu. Ils auraient su la réponse.
Alléluia. C'est pour ne vous étonner pas que les gens trouvent que vous avez toujours beaucoup d'argent. Ne vous étonnez pas parce que les gens ici, quand ils s'inquiètent de quoi? Ils s'inquiètent vraiment de l'argent et des histoires comme ça là. Mais toi, ils te trouvent normal. Ils savent que chez toi, peut-être qu'il y a juste des pains avec de l'eau que tu as bu le soir. Mais ils s'en vont. Alléluia. Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Mais ils te trouvent toujours calme. Ils ne comprennent pas. Regardez dans français courant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. Quand tu es sûr de quelque chose, c'est-à-dire dans ton cœur, qu'est-ce qui est disparu dans ton cœur? Tu n'as plus de doute. Il n'y a plus de doute. Deuxièmement, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. C'est une réalité que tu ne vois pas, tu es convaincu de cela. Donc tu vis comme si la chose était là. Est-ce que nous comprenons cela? Et là, mes bien-aimés, chaque semaine, retournez sur ce verset-là pendant même 7 ans. Même toute la vie, votre vie sera changée. Amen. Parce que le plus grand péché des chrétiens en rapport, je parle des chrétiens normaux, de ceux qui craignent Dieu, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Alléluia. Dans Marc chapitre 17, quand Jésus est allé, les disciples sont allés dire l'histoire de l'enfant lunatique, hein? Les disciples ont essayé de chasser les démons, les démons n'étaient pas parlé. Je lui ai dit, premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas cru quand vous chassiez les démons. On va la prière d'autorité après. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu normal, fais la prière de la foi. Ah, paix. Tu as des maladies. Ta parole est claire, par tes maîtres, nous sommes guéris. Seigneur, je te demande tout simplement maintenant de me guérir. Je reçois ma guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, sors de moi. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Seigneur, je te dis merci. C'est fini. Et tu commences à bouger. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oracle de Dieu, la paix est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. C'est la prière qui produit le miracle. Amen. Tu as la foi là. Pourquoi dans le monde de malheureux il y a beaucoup de miracles? Parce que dans le monde des riches ici, il y a beaucoup de béquilles. Hein? Il y a beaucoup de béquilles. L'hôpital est plein de médicaments. Tout est là. Les Tylenol sont dans toutes les pharmacies. Mais tu te retrouves quelque part en train de faire la malaria dans un coin d'Afrique où il n'y a même pas de médicaments. Comme le frère m'a dit, mais frère, toi tu te rends pas compte que ce que j'ai c'est la vie et la mort. Il dit justement, je me rends compte, pourquoi je te dis, c'est pas un problème pour moi. Toi tu crois que, je supplie toi quand tu es à cet état et ça va marcher. Non, c'est la prière de la foi qui marche. Je ne m'occupe pas de toi. Moi je vois que le Seigneur, c'est moi qui prie, c'est ma prière qui te guérit. C'est pas toi, toi je m'occupe pas. Quand tu vas être obéissant, tu vas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. La prière de la foi. Vous l'avez, vous comprenez ce secret-là. Votre vie va dans toutes choses. Même quand vous faites, même que ce soit l'examen, tu vas être matière jusqu'à la paix. L'intelligence est à toi. Je demande l'intelligence d'étudier ce cours. Je brise tout ce qui peut bloquer mon intelligence. Je loigne cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois l'intelligence que j'avais originalement. Je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais étudier. Amen. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens courent à gauche, à droite, tel là-bas, tel groupe là-bas, vous? Parce que les gens ne développent pas la foi. Si vous développez la foi, votre vie va être une vie différente. Alléluia. Alléluia. Puis Jésus, Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure, demandez ce que vous voulez, Seigneur, sera à vous. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom. Ah, peut-être le pasteur a inventé, mais c'est écrit là, tout ce que vous demanderez à mon nom. Alléluia. Bien sûr, tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Ne demandez pas la mort de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne demandez pas le divorce au nom de Jésus-Christ. Ne demandez pas des choses comme ça. Tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, vous allez demander, vous allez l'obtenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand vous comprenez les prières de Hébreux 11, verset 11, vous les méditez tout le temps. Et vous agissez, vous allez voir que beaucoup de choses vont être différentes. Alléluia.
Je disais que c'est la prière des ayants droit. Amen. C'est les enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu as un droit. Vous savez ça? Quand tu es enfant de Dieu, tu es ayant droit. C'est-à-dire que tu es co-héritier de Christ. Donc c'est à toi de savoir que tu dois connaître ce qu'il y a dans les clauses de Dieu. Si tu ne connais pas, ton ignorance va te tuer. C'est pas le texte de Galates. Galates 5 dit oh gloire à Jésus-Christ. Oh gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Galates 4, verset 1 dit aussi longtemps l'héritier est un enfant, il défiera rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu es vu comme un esclave, mais en fait tu es maître de tout. Tout appartient, enfant de Dieu. Alléluia. Tout appartient. Alléluia. Alors, amen. Alors, un problème avec la prière de la foi, c'est là où nous allons parce que l'enseignement sera un peu boring. Un problème avec la prière de la foi. La prière, l'exaucement de la prière de la foi n'est pas nécessairement un miracle, n'est pas nécessairement instantané. Hein? Jésus dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas quand vous le verrez s'accomplir. Hein? Quand c'est instantané, ce que nous aimons, c'est le miracle. C'est réglé. C'est pas déjà coudé, miracle partout. Amen. Mais quand ça tend un peu, ça devient un problème pour le croyant. Alléluia. C'est pourquoi le clou de la question de cette matinée hier, la nuit, j'étais vraiment bien hier la nuit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi la prière de la foi peut être une prière insistante, fervente, persistante. En d'autres termes, venir prier avec foi pour un sujet constamment, ce n'est pas de l'incrédulité pourvu que ton cœur ne doute point. Vous comprenez cela? Pourvu que ton cœur, ça devient de la blague quand ton cœur doute, mais quand tu es comme dans les cités, tu montes un escalier, tu montes deux escaliers, je dois récupérer ce que j'ai jamais volé de ma vie. Je l'ai récupéré avec foi. Amen. Tu es dans la prière insistance. Tu marches, tu continues. Ça ne marche pas. Ah, peut-être qu'il y a des ingrédients qui manquent. Tu vas ajouter les jeûnes. Tu vas multiplier les prières. Tu demeures dans la prière. Ça demeure la prière de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire. Allons un peu, c'est vraiment le clou de notre enseignement aujourd'hui. Gloire. Allons un peu dans Luc 18. Gloire à Jésus-Christ. Oh, c'est bon la parole de Dieu, hein? Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen. Luc 18, à partir du verset 1, il est écrit, Jésus leur a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Les gens vont croire là, pour la plupart du temps, que c'est la prière de supplication. Non. Jésus parle de la prière avec instance. C'est une prière de foi avec instance. Sur ton doigt, la femme se sentait lésée dans ses droits. Toi, enfant de Dieu, Dieu t'a donné des droits, des choses qui t'appartiennent. Tu te sens lésée, tu ne les as pas. Tu ne supplies pas. Tu es tenté d'insister pour que ces choses-là s'accomplissent dans la vie. Ce n'est pas la prière de la foi, vous allez voir en même temps avec la prière d'autorité qui est la prière de la foi contre les démons et contre les circonstances. Des fois, c'est instance. Alléluia. Tu ne lâches pas le terrain. Il dit qu'il faut toujours prier le point se relâcher. Il y avait dans une vie un juif qui ne craignait point Dieu, qui n'avait de gars pour personne. Il y avait juste dans cette vie une veuve qui venait lui dire, fais-moi juste de ma partie à l'évêque. Pendant longtemps, il refusa, mais il dit, quoi que je ne craigne point Dieu, que je n'ai de gars pour personne, je n'ai de gars pour personne. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas rompre sans cesse ma tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge païen. Et puis il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie en lui jour et nuit. Pas dans le doute, toujours dans la foi. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Je leur dis, il lèvera promptement justice. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il pose la question sur la foi? C'était la prière des supplications. Ce n'est pas la prière des fautifs, là. La prière des enfants, des ayants droit. Mais la chose, des fois, tu as affaire à des géants.
Alléluia. Ça va en part. Vous allez voir la prière d'autorité, comment ça marche. Ça, c'est des prières que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Pratiquement, et je ne doute pas, mais je continue à déclarer, je continue à réclamer avec foi ce qui m'appartient, et je le verrai s'accomplir. Alléluia. Parce que quand tu as fait une vraie prière de foi, on va voir ça dans les étapes tout à l'heure. Si tu as reçu là, tu vas commencer à rendre grâce, à remercier Dieu avant d'avoir vu ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Ça, c'est comme c'est sa frise, la doctrine. Là, je vais entrer dans le détail pour que demain les gens ne m'attaquent pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit cela? Que Luc 18 parle de la prière de la foi. Mon premier argument, dans Luc chapitre 11, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Luc chapitre 11, je suis en train de démontrer que la prière de la foi, parfois, elle peut être avec insistance. Des fois, elle ne répond pas comme ça là. Tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. Il dit aussi, vous voyez, Luc chapitre 11, verset 8. Je vous dis, il parle de la. D'abord, le titre même de la prière, c'est la présence de la prière. Jésus nous montre la parabole. Un ami qui va à la nuit chez son ami, qui dit prête-moi toi, Père. Car un de mes amis est arrivé de voyage, je n'ai rien lui offrir. De l'intérieur de la maison, cet homme lui répond ne m'importune pas, ne me dérange pas. La porte est fermée. Moi, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Et je peux me lever pour te donner. Je vous l'ai dit, s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que son ami, il se lèverait à cause de son importunité, lui donnerait ce dont il a besoin. Amen. Amen. C'est là, quand il frappe à la porte, ce n'est pas une supplication. Il dit, moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Alléluia. Nous louons à celui qui frappe. Alléluia. Nous voyons là que la parole montre que la porte est fermée, mais la personne qui représente Dieu va t'ouvrir. Pas parce que il te connaît, mais parce que tu lui dis, tu réclames ton droit. Tu frappes à la porte. Tu l'importunes. Donc on peut déranger Dieu avec la prière. La prière ne laisse pas Dieu tranquille. Dieu n'est pas indifférent aux prières des hommes. C'est pourquoi il dit à Isaïe, je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. Alléluia. Dieu n'est pas indifférent. Alors, des fois, la prière de la foi est peut-être insistance. Luc 18 nous montre que c'est Jésus concluait en disant que quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est lui qui va abandonner en cours de route, donc il n'a pas la foi. Celui qui a la foi, il va persévérer dans cette prière insistance jusqu'à ce qu'il va voir les résultats. Nous ne parlons pas de supplication, nous parlons de la prière qui demande à Dieu. Demandez, on vous donnera. Amen. Quand vous demandez longtemps que cela n'arrive pas, demandez au Saint-Esprit qu'est-ce qui ne va pas pourquoi la prière ne marche pas. Il va vous montrer la clé. Peut-être c'est votre cœur qui n'est pas repentant. Peut-être il y a quelque chose qui... Il va vous montrer la clé. Quand vous trouvez la clé de votre vie, c'est alors que vous allez avec cette clé-là, vous allez frapper à la porte de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Des fois, tu pries, les choses ne marchent pas. Mais peut-être c'est juste la personne qui est à côté de toi qui s'est assise sur toi. Tu ne sais pas. Tu n'es pas intelligent spirituel. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. C'est même si les collègues de classe qui arrivent en classe, dès que vous arrivez en classe, celui qui fait le petit tour, toi, il ne comprend même pas. Pendant la porte, tu es toujours avec la même personne. C'est pas la prière que Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Parfois la personne même que toi tu penses aider à envoyer l'argent toi, c'est la même personne qui prend ton argent, qui te fait du mal avec, et toi tu n'es pas. Dieu veut que cette personne soit intelligent. Alléluia. Amen. Quand vous entendez parler de la sorcellerie, c'est pas de la blague. C'est une réalité spirituelle de tous les jours. Quand vous avez à dîner aux gens qui ont de tels problèmes, chaque chose que vous donnez doit être préparé par une prière sérieuse. Tu le donnes avec conscience que cette personne est telle, mais si la personne me remet quelque chose, les charroirs d'or vont être sur sa tête, Dieu va s'en occuper. Mais moi, je donne en me disant, en coupant cela, si par exemple, c'est un parent, par exemple. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Je vais prier, demander, chercher et frapper après. C'est pour juste vous montrer simplement que des fois, la prière de la femme ne peut pas marcher miraculeusement. Tu as besoin de persévérer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, maintenant, Jacques 5, mon deuxième argument.
pour prouver que le livre du Juif parle de la prière de la foi. Alléluia, verset 1 à 7. Jacques chapitre 5. C'est un beau jour hier. Le Seigneur nous a mis beaucoup de choses dans le cœur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc et Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous parle d'Élie. Alléluia. Mais en commençant par le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens pour lui éloigner d'une au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera. S'il a commis le péché lui sera pardonné. Alléluia. Vous comprenez cela? Encore un Seigneur, je prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de Jésus. Ton col, c'est ce manège, éloigne-toi d'ici. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera. S'il a commis le péché, il sera pardonné. Quelle est la prière qui sauvera les malades? C'est la prière de la foi. Confessez donc les uns et vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Maintenant, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il tomba pour les pluies sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. La terre produisit son fruit. Élie était un homme de même nature. Il priait avec instance. Amen. Il a prié. Quand vous revenez pour comprendre cette chose-là, comment ça s'est passé, Élie a maudit la terre. Il a dit, si c'est là ma parole, il n'y aura plus de pluie pendant une telle période de temps. Or, Dieu honore la parole de ses prophètes. Alléluia. Effectivement, tout a cessé. Mais pour venir prier, pour que la pluie retombe sur la terre, Élie a fait 7 fois la prière pour que la pluie vienne. Il prie, il envoie les serviteurs, va voir du côté de la mer. Il dit, je ne vois rien. Il prie encore. Et s'il faisait des supplications, ou il faisait des prières de la foi. Amen. Il commandait à la pluie de venir. C'est la prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est une prière de la foi dirigée contre les démons et ainsi constance. Vous comprenez cela? Amen. Il a prié 7 fois. Donc il n'avait pas la foi. Non. Il était insistant dans la prière. Il était persévérant dans la prière. Il dit non, non, cette situation-là, moi je ne l'accepte pas. Moi j'ai maudit la terre, maintenant je vais délier cela. Vous comprenez cela? Même dans vos vies, il y a certaines situations, dit non, ça là, je ne l'accepte pas. Je dois le rejeter. La volonté de Dieu, le Père de ma vie, doit s'accomplir. Je dois récupérer tout ce qu'on m'a volé. Tu as besoin d'être insistant dans la prière de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Pourquoi la prière de la foi, elle a besoin d'être insistante? Parce que vous avez un ennemi qui est résistant. Alléluia. Satan a une certaine puissance. Il n'est pas le tout puissant, mais il a une puissance. Amen. Si Satan n'avait pas de puissance, Jésus n'avait pas dit dans le cas de l'enfant lunatique que cette sorte de démon n'est pas que par la prière et les jeûnes. Vous comprenez un peu? Satan a la puissance. Les sorciers de la majesté ont une puissance. Mais Dieu est le tout puissant. C'est pourquoi, enfant de Dieu, soit connecté, soit ensemble, soit en communion avec le Tout-Puissant, pour que la puissance du diable soit effectivement défaite, parce qu'à la croix, Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a l'insistance, c'est parce que le diable, des fois, va résister. Dans 1 Pierre 5, oh, le sang de Jésus agit maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 5, verset 9. Amen. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi la prière de la foi est couplée avec la prière d'autorité. Je vais parler en détail de la prière d'autorité quelques minutes après. Amen. Mais la prière de la foi s'adresse à Dieu. Amen. La prière d'autorité s'adresse au nom de Dieu, aux circonstances et aux démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 5 dit simplement ceci. Alléluia. Ça, c'est justement les pratiques. C'est que tu dois pratiquer dans la vie. Comment marche la prière de la foi? Tu l'exprimes dernièrement. Tu le reçois dans ton cœur. Amen. Dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de trouble dans le cœur. Il n'y a plus de doute dans le cœur. La chose est reçue dans ton cœur. Tu crois dans ton cœur que j'ai la chose. Amen. Amen. Troisièmement, tu commences à démontrer que tu as les choses. Donc, il faut des actions. Des actions qui démontrent que tu as reçu. Alléluia. Amen. Avoir les comportements qui est. Quelqu'un qui a reçu, voilà, ne se plaint plus sur un sujet. Quelqu'un qui a reçu, ne murmure plus sur un sujet. Quelqu'un qui a reçu, n'est-il plus dans les supplications. Dieu, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais Dieu, il est là. Amen. Quelqu'un qui a reçu fait quoi? Répondez-moi. Il rend grâce. Il remercie. C'est pas on dit l'action de grâce. Tu agis. Tu fais les choses qui prouvent que tu as reçu. Si c'est un mouvement à faire, tu fais le mouvement à faire. Alléluia. Voilà une prière de la foi qu'on a marquée avec Pierre. Pierre et Jean dans le temple. Il a regardé le paralytique. Il dit, regardez-moi dans les yeux. Regardez-nous. Regardez. Il attendait d'avoir l'argent. Il dit, l'argent, je n'ai pas. Ce que j'ai, au nom de Jésus qui l'arrête, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la main. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'environnement de foi est important pour vous en gestion avec les sujets. Si tu t'assois avec les gens qui ont la foi, tu seras une personne de foi. Tu t'assois avec les incrédules, tu vas être incrédule. Tu t'assois avec les supplicataires inutiles, tu vas être des supplicataires inutiles. Alléluia. Il a tenu. Amen. Amen. Quand j'ai eu ma première expérience de prier pour quelqu'un qui est paralytique, c'était un campagne de Bénin. Hey. Mais j'ai prié pour les gens, même tous les gens venaient vers moi. Je dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils voient en moi? Et j'ai appliqué ça. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça là. Le monsieur s'est mis debout. Vous comprenez un peu? C'est bien ici là, on parle de congrès. Amen. C'est pourquoi je n'aime pas, je n'aime pas m'entourer avec des incrédules. Amen. Il faut être entouré avec des gens qui craignent Dieu, qui ont la foi tous les temps et tout le temps. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Amen. Tu dois poser des actions. Amen. On attend qu'il y ait une situation financière. Tu as commandé l'argent de venir. Commence à être dans la joie. Commence à bénir Dieu. Commence à rendre grâce. Commence à faire des projets. Voilà, quand ça va venir, je vais faire ça, ça. Voilà mes projets, ça. Je dis, tu n'as pas de projet. Que l'argent arrive à 1 million. Tu n'as aucun projet. Tu vas te troubler. Tu vas te perdre celui qui s'est arrivé. Hein? Je fais quoi? J'abois à terre. Et tu as même aux incrédules. Hein? Tu peux même aux ennemis de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre sujet de la vie, la foi. Je n'ai pas parlé de la foi en général. Je suis devenu de la prière de la foi. C'est la prière des ayants droit. Ayant droit, qui est ayant droit? C'est un enfant de Dieu né de nouveau. Tu es ayant droit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et puis, troisièmement, quatrièmement, je vais vous dire sincèrement, les trois premiers principes, je l'ai reçu d'un père spirituel il y a quelques années. Le quatrième principe, c'est le Saint-Esprit qui m'aide à ajouter. C'est là où c'est que j'ai développé aujourd'hui. Résister. Des fois, tu as reçu, la chose n'est pas là. Il faut que tu résistes. Amen. Il faut que tu résistes dans la foi. Tu résistes avec la promesse de Dieu. Tu résistes comme Jésus a résisté à la tentation des airs. Il est écrit. Hein, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dieu va pourvoir cette journée pour moi. Il est écrit au Père, vous me servirez, j'éloignerai de vous la maladie. Je sers mon Dieu. La maladie ne peut pas être mon lot. Mes doigts ne peuvent pas être malades. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous résistez. Comment on résiste? En rendant d'abord grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tout le temps tu as la réponse. L'ennemi peut venir, mais toi tu es assuré. Amen. Vous savez qu'Abraham, la Bible dit Abraham espérait contre toute autre espérance. Déjà, c'est moqué de lui parce qu'il a changé son nom d'Abraham à Abraham, Sarah de Sarah. Déjà, c'est moqué de lui. Mais il a persisté dans la foi jusqu'à ce que l'enfant était né. C'est ça que je parle. Vous comprenez un peu? Ton deal, c'est avec Dieu, c'est pas avec les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Donc, tu résistes contre tout ce qui est signe contraire par rapport à ce que tu as reçu dans ton cœur. Donc, si tu n'as pas reçu, tu n'as rien résisté. Tu vas tomber encore dans les supplications. Si tu as résisté, non, Jésus-Christ, il est écrit. Par ses maîtres, j'ai été guéri. Je résiste à cette maladie-là, elle ne reviendra pas. Amen. Alléluia. Il est écrit. Mes enfants sont un signe et un présage pour chaque génération. L'ennemi n'a aucune autorité sur mes enfants. Ils seraient un signe et un présage pour Israël. Mes enfants sont bénis. Alléluia. Il est écrit que la mort va prévaloir dans la maison de Dieu, à l'église de Jésus-Christ. Aucune personne ne mourra ici à l'entrée, ici dans cette maison de prière. Il n'y aura pas de mort, j'ai resté pièce. Nous le refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas une église de pompes funèbres. Vous comprenez un peu? Vous résistez avec une foi ferme. C'est pourquoi la prière de la foi, vous voyez que quand elle est adressée à Dieu, tu ne vas pas gronder Dieu. Mais quand elle est adressée au démon, tu menaces les démons dans les circonstances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, qu'à son nom soit béni. Ora machika malakori, ora machika malakai. Donc, résistez. Là, je refuse. Vous exprimez vos besoins, vous les recevez, vous agissez et vous résistez. Vous restez dans la position que vous avez gagnée là, dans votre cœur. Alléluia. Il y en a qui, chaque fois que le fiancé s'annonce, deux jours après, le fiancé disparaît. Il fait des annonces sans aucune cause, le fiancé disparaît. Quel? Oh! Toi, tu crains bien. Il y a quelqu'un qui te vole les histoires. Résiste! Brise ces liens. Il y a un mari de lui peut-être qui est entré là-bas que tu ne sais pas. Détruis tout mariage de lui. J'ai conseillé même à toutes les femmes africaines, les hommes africains, de gêner toujours, de briser les liens claniques des maris, des femmes de nuit. C'est un fléau! C'est un fléau! C'est le monde d'action de l'occultisme. Dans le culte, les gens pour avoir le pouvoir doivent avoir les maris, des femmes de nuit dans les trains claniques et dans les trains familiales. Vous comprenez cela? Mais c'est des choses spirituelles. Vous brisez cela au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, le vachéke malakaya. Donc, tu dois résister parce que l'ennemi, des fois, tentera de venir te faire douter. Oh, est-ce qu'il est écrit vraiment? Est-ce que toi, vraiment, tu vas rester? Toi, avec tous les péchés que tu as commis dans la terre, toi, ta vie là, elle est finie. Tu as connu 27 hommes. Toi, là, tu vas aller où? Hein? Mais non. Moi, je connais une personne qui a connu 27 hommes. Avant l'âge de 22 ans, mais qui sert Dieu aujourd'hui là. Hein? J'ai fait la prière délivrance au téléphone, les noms sont déjà. Cette prière, je n'ai jamais revenu. Les noms sont déjà. J'ai dit, ma fille, c'est pas mon fini. Oui, c'est pas mon fini. Jusqu'à 27. Et puis elle commence à vomir. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, tout est fini. Elle doit récupérer toutes les années, tout ce que Satan a volé sa vie, elle doit récupérer cela. Nous avons le droit. Parce que Satan ne vante absolument rien. Il vole ce qui appartient aux enfants qui pour donner au sien. Hein? Tu viens à une nouvelle école, une personne toujours à côté de toi simplement. Elle est nice. Maintenant, elle vient de tel pays, elle est nice. Fais attention! J'ai prié pour une dame qui venait de quelle heure? J'étais parti bien prier avec elle. J'étais avec Gloria là. De quel pays là? Pérou, quelque chose comme ça là. Madame me dit, mon problème est que la nuit, ma mère m'avait chassé, elle m'a dit, tu es fille du diable. Et puis moi, la nuit, chaque fois, je dors et puis j'ai fait mes voyages astral. Et maintenant, j'ai des problèmes dans la vie. J'ai dit, mais madame, tu fais quoi? Père, tu es sorcière, hein? Oh, je sais. Non, je ne suis pas sorcière, j'ai fait seulement le voyage. Je dis, tu es sorcière. Ça, c'est la sorcellerie. Ok? Non, maintenant, on va prier pour toi. On a prié pour elle. Paf! Le lendemain, dans la prière, elle est suivie, elle dit, hé! Quelqu'un m'appelait, sors! Je ne pouvais plus sortir. J'ai dit, ma fille, elle est délivrée. Elle ne savait même pas qu'elle était sorcière. C'est grave, le diable, comment il peut tromper les gens, occulter les gens. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alors, quand la prière de la foi, dans le temps où tu insistes, quand la prière de la foi ne marche pas, vite, ne perdez pas le temps. Parce que la prière de la foi est supposée marcher, soit tu as la paix dans ton cœur, soit tu as la réponse. Mais quand tu n'as pas la paix dans ton cœur et que tu n'as pas la réponse, la première chose que tu cherches, d'abord la première chose, quand tu as la paix dans ton cœur et que la chose n'arrive pas, attends le temps d'accomplissement. Ce n'est pas encore le temps d'accomplissement. Il y
y a certaines choses que Dieu va te répondre. D'une manière instantanée, d'autres, Dieu va te dire, attends encore un peu. Il a déjà répondu, mais tu attends un peu. La personne que tu attends, le mari qui dit, attends, il y en a qui n'aime pas le mot Boaz, bon, il paraît que c'est vieux. Ok? Ou le Boaz, ou quelqu'un que tu attends. Parce que le temps n'est pas encore hein, là. Parce que toi, tu n'es pas encore prête, par exemple. Tu es encore greedy, tu es encore avare, et puis, tu n'as pas encore appris, c'est quoi la soumission? Pourquoi tu cherches un mari? Tu vas te maltraiter. Hein? Si toi, l'homme, tu n'as pas encore compris, c'est quoi la prise en charge d'une femme? Ne va pas épouser une femme, ce n'est pas des objets. Alléluia. Des fois, ça attend parce que le temps d'accomplissement n'est pas encore là. Là, mais tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la paix tout ce temps-là. Deuxième chose, deuxième fois, des fois tu as pris la prière de la foi, ça ne marche pas. Ça, c'est la plus grande cause de non-accomplissement. C'est tu as prié 100 fois, tu es encore incrédule. Tu as dit au nom de Jésus, mais tu es incrédule. Donc, tu n'as pas cru que ce que tu as commandé de partir est parti. Alléluia. Amen. Amen. On va voir avec la prière d'autorité tout à l'heure. Je donne un peu de preuve de prière d'autorité parce que je veux parler de ça ensemble. Tu n'as pas encore cru. Parce que quand tu as prié vraiment une fois, tu dois avoir la paix que la chose va se réaliser. Tu es en paix. Quand la chose ne se réalise pas, tu es encore en trouble. Tu n'as pas prié avec la foi. Il faut régler le problème d'incrédulité. Le seul remède pour l'incrédulité, c'est simplement croire. Donc tu as un exercice à faire. Comment tu fais pour avoir la foi par avoir à la guérison? Tu vas écouter tous les messages de Jésus sur la guérison. C'est pas nous faisons le CD sur la guérison. La foi, par exemple, pour n'importe qui. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu par rapport à telle chose, par rapport à chaque chose, c'est alors simplement tu vas avoir la foi par rapport à la chose. Sinon, la foi ne sera pas là. C'est pas l'important d'écouter la parole de Dieu et les prédications des gens que Dieu a appelés, qui sont des vrais enseignants. Aujourd'hui, là, vous prenez beaucoup de gens. J'ai vu parler des grands-pères, des pères, grands-pères de la foi qui sont là. Quand ils suivent beaucoup comme des gens comme Kenneth Hagin, des gens comme Terence Prince, tu vas grandir de la foi. Si je me dis, j'ai dit moi-même, vous allez dire que je me vends. Ok? Alléluia. Ça, c'est nos grands-pères de la foi. Ils vont vous enseigner. Et suivez les enseignements corrects par rapport à la foi. Écoutez les enseignements. Allez dans la Bible. Méditez comme Marc 11, verset 22. Méditez-les tout le temps. Mettez en pratique ce que je viens de vous dire là. Vous allez voir les résultats. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Dieu. Quand il manque la foi, ça dit que toi, si je check bien ta vie là, comme on dit au Québec, je vis bien ta vie, tu ne lis pas beaucoup la Bible. Deuxièmement, tu n'écoutes pas les bons messages de Dieu. Je dis écoute les vrais, les gens comme les Kenneth Copeland, les gens comme les Kenneth Hagin, les gens comme, mais même si les gens les critiquent comme crève de là, tu les quittes longtemps, tu vas avoir la foi. Alléluia. Amen. Déjà, les gens peuvent jeter le propre sur un serviteur et le pauvre de quel. Mais il y a des domaines où Dieu a donné une option spéciale, par exemple, de la foi. Quand il enseigne sur ces choses-là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. On a un enseignement sur le site de 22 heures. Comment l'impossible devient possible? Jésus a été par la foi à gauche, à droite, partout, dans toutes les versions. Tu suis ça, tu vas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et troisièmement, tu vois que ta prière de la foi ne se réalise pas. Il y a un péché non confessé. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que j'ai la foi et puis tu as un péché non confessé ou tu continues à pratiquer les péchés. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. La foi, tu la mets en qui? Les péchés, c'est de séparer de Dieu. Tu es comme un enfant prodigue. L'enfant prodigue, dans le cas de l'enfant prodigue, avant qu'il ait la foi, il devait retourner dans la maison du Père. Toi, tu n'es pas retourné. Tu n'es pas hier, tu n'es pas la repentance. Toi, tu n'es pas retourné. Comment tu vas avoir la foi? C'est une prétention. Toi, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Un péché non confessé. C'est les trois choses qui font que la prière de la foi ne peut pas marcher. Sinon, c'est la prière vraiment des enfants de Dieu. Quatrièmement, tu as la foi. Tu crains Dieu. Tu as la foi. Amen. Mais tu viens prier, mais la chose ne bouge pas. C'est que j'étais allé prier quelque part, je ne sais pas où. Voilà. Il y a besoin de gens, tu vois, il y a un démon toujours comme ça. Mais le démon ne bouge pas. Tu pries, tu vois, en vision, le démon est toujours là. Mais toi, tu as vraiment la foi. Dans ce cas-là, tu fais quoi? On croit que l'ennemi est fort là.
Quand il est fort, tu fais quoi? Dieu t'a donné les ingrédients. On revient encore dans ces matchs d'ingrédients. Va gêner par exemple pendant 3 jours. Reviens, il fuira. Parce que la foi, le gêne et la prière et la combinaison gagnante. Gêne sérieusement. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi et coupe les communications entre prière. Tu, n'importe quel géant tombera. Parce que Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est les 4 raisons. Vous avez dit que pendant qu'on priait, dans Matthieu, vous allez voir que Jésus a reproché les 4 enfants de l'antique. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il suffit d'avoir la foi comme un grain, c'est de vous dire à cette montagne-là, transportez-la, elle s'est envoyée, elle vous sera impossible. Alléluia. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et les jeûnes. C'est Jésus qui a dit. Il y a certains démons. Mais là, les apôtres ils priaient déjà. Ils parlent de quelle prière là? Les prières persistance. Et des fois, tu pries sans relâche. Tu résistes avec foi. Tu prends autorité avec foi. Tu repousses avec puissance. C'est pourquoi les gens vous disent, oh, quand vous priez, vous criez. Je dis, quand il dit, il ne comprend encore rien de la prière. Alléluia. Si quelqu'un dit, ah, quand vous priez, pourquoi vous criez? Il ne comprend absolument rien de la prière. Je peux adorer mon Dieu dans le silence, comme je peux le louer, l'adorer avec haute voix, avec des cris de joie. Mais quand il s'agit de l'ennemi des démons et des circonstances, je dois les parler avec autorité. Quand j'ai une autorité qui parle, démon, c'est avec à haute voix. Tu menaces à haute voix. Et tu vois qu'il va fuir. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne chasses pas les démons en silence? Démon. Non. Démon pas. Non. Tu parles à haute voix, avec autorité. Tu le grondes, tu le menaces. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant à la prière d'autorité. Je dis que la prière d'autorité, c'est la prière de la foi parfaite à partir. C'est la prière de la foi contre les démons et contre les circonstances. Elle est faite à partir de la position spirituelle du croyant. Quelle est ta position spirituelle? Tu es où? Tu es sous la terre ou tu es dans le ciel? Qui est le plus haut? Vous savez, plus haut, plus haut. Qui est le plus haut? Amen. Mais Jésus est avec qui là-bas? Spirituellement avec qui? Avec son corps? Avec vous? Alléluia. Amen. La prière d'autorité, c'est la prière de la foi dirigée contre les circonstances et contre le démon. Amen. Quand vous allez dans Marc chapitre 11, au verset 22, Jésus a dit, alors il y a Marc chapitre 11. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 11. Amen. Au verset 14. Jésus passait, il apercevait un figuier, il y avait des feuilles, il allait voir si tu trouvais quelque chose dans cet instant approché. Il ne trouva que des feuilles, ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il a dit quoi? Prenant voir la parole, il dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et puis ils sont passés. Amen. Et le lendemain, ils sont revenus. Pierre toujours s'est rappelé que c'est lui dit, Rabbi. Regarde le figuier que tu as maudit. Et a séché. Nous avons le droit de maudire certaines circonstances et de maudire les démons. Vous savez ça? Amen. Amen. Vous avez le droit de maudire les démons. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez que cette prière d'autorité, qui a déjà fait une prière d'autorité ici? Vous devez la faire tout le temps dans la vie. Vous voyez que la présence du diable ou d'une circonstance qui vous embête est là. Elle peut être négative dans le sens qu'elle détruit la torche. Elle peut être positive. Que tu ordonnes à la chose de venir exister. Ça s'appelle la prière d'autorité. Tu le fais au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'écrivais hier, c'est la prière faite à partir de la position spirituelle des croyants. C'est-à-dire que nous, là, la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 6. Que nous sommes où? On sommes où? Dans le lien céleste, hein, en Jésus-Christ. Amen.
Voyons un peu Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes où? En Jésus-Christ. Amen. Donc, si l'ennemi est sous les pieds de Jésus, il est aussi sous nos pieds. Alléluia. Donc, notre autorité vient dans notre position spirituelle. C'est pourquoi toi, comme chrétien, tu dois comprendre clairement que tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps. C'est pourquoi tu es étranger sur la terre. Si tu es charnel, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. La prière d'autorité, c'est une prière positionnelle. Je suis en position d'autorité en Christ Jésus. Parce que je suis mandataire de Jésus. Ce qu'on appelle un mandataire de justice, il vient avec un mandat d'arrêt, comme les policiers viennent avec un mandat pour arrêter quelqu'un. Ils viennent avec ce mandat-là pour exécuter le mandat. Nous avons le mandat de Jésus de chasser quoi? Qui? Les démons. Alléluia. Amen. Les prières qui sont la même après la prière de la foi. Pour chasser un démon, tu as su que toi tu es de l'autre, du camp de Jésus. Pas un pied dedans, un pied dehors, tu vas te créer des problèmes. Alléluia. En Jésus-Christ, et nous prenons autorité. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas, ils ont l'autorité. La prière d'autorité, c'est une prière de la foi. Je répète, contre les démons et les circonstances. C'est parmi les prières que Jésus faisait tout le temps, en public. En secret, il était dans l'adoration, il était dans la communion avec son Père, mais en public, chaque fois un démon se présentait, il est chassé directement. Alléluia. Il ne discutait pas avec les démons, il y a qui disait, oh démon, non. Moi, je suis de l'école, je ne discute pas avec les démons. On chasse les démons. Je n'ai pas à discuter, le démon est un menteur. Il peut te tromper qu'il est parti, il est encore là. Il y en a des fois, il faut la délivrance, c'est le démon qui va dire, ah non, je suis là, mais je me cache dans son ventre. Oh, mais le démon c'est un menteur, il ne peut pas te dire qu'il se cache dans son ventre. Le diable, quand il parle, la Bible dit, il parle de son propre chef. Le diable ne peut pas dire la vérité, c'est pourquoi dans la délivrance, tu dois avoir le discernement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Colossiens 2:10. C'est un des textes qui m'a bouleversé ma vie après que je sois rempli cette année 95. Ce texte-là, c'est le texte qui nous montre l'autorité que nous avons en Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les casse-têtes sont finis. Gloire à Jésus-Christ, oracle de Dieu. Les tableaux de la mort sont brisés. Oracle de Dieu, le champ de la mort est brisé. Gloire à Jésus-Christ. Oracle, ma chique, me rende au cocher. Colossiens 2:10. Alléluia. Dis quoi? Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous comprenez cela? Quand tu comprends cela, tu comprends que tu ne peux pas avoir peur du diable et des démons. Cela n'est pas spécifique aux pasteurs, aux apôtres. Il y a des onctions spéciales par rapport à quelque chose. Mais ce que je vous parle, c'est un attribut de tout croyant. Tout croyant sérieux peut même faire sa propre délivrance. Quand tu connais la parole de Dieu, tu peux te libérer. Alléluia, amen. Tu as tout pleinement en lui, Jésus-Christ. Donc, il faut être en lui pour avoir l'autorité qui vient de lui. Alléluia, amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyons un peu comment que Jésus, dès la première journée de son ministère, ou quand il a commencé le ministère, dans le chapitre 4, rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Comment est-ce que la prière d'autorité peut faire des choses dans la vie des croyants. Alléluia. Il dit que c'est la prière de tout croyant. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 4, rapidement. Jésus, après avoir proclamé l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'avait prononcé la bonne nouvelle aux pauvres, et pour terminer au verset 19, pour bien une année de grâce, il nous voilà le livre. Et pour le verset 21, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen.
Et tous, il y en a qui rendent témoignage, comme toujours, il y en a qui se moquaient de lui. Et puis finalement, il les a rabroués, finalement, on l'a chassé des temples. Il passait au milieu d'eux. Et au verset 31, il est à Capernaum. Il est écrit au verset 31, on était frappé par sa doctrine car il parlait avec autorité. Un enseignant de Dieu parle avec autorité. Pas témérité, mais autorité. Alléluia. Il se trouve dans une synagogue un homme qui avait un esprit de python qui s'écriait d'une voix forte. Hein? Qui a-t-il entre nous et toi? C'est le même esprit de python qui, un des apôtres qui disait, suivez Paul, c'est le serviteur de Dieu. Comprenez que l'esprit de python, c'est l'esprit dangereux qui peut mimer même la vérité. Alléluia. Il dit, tu es venu pour nous parler. Je sais que tu es le saint de Dieu. Est-ce que l'esprit de python avait menti? Non. Alléluia. Et Jésus les menaça. La Bible dit les menaça. Il n'a pas dit, oh, demain pas. Oh, on va voir après. La sœur, elle est nice. On va attendre un peu. Non. Les démons les chassent. Tu ne touches pas la personne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Toi aussi, dans ta vie, tu dis ça. Je suis pas en train de me faire normal. Chasse les démons. Même devant tes enfants. Tu n'as rien à faire avec les démons. Et les diables ne respectent personne. Les diables ne respectent aucun individu. S'il veut détruire, il va détruire parce qu'il est appelé à détruire. Il dit, Jésus le menace, il dit, tais-toi et sors de cet homme. Les démons se jetèrent dans l'assemblée, sortit sans lui faire aucun mal. Toutes furent saisies de stupeur. Voyez un peu, l'homme était tombé. C'est pas quand vous voyez quelqu'un tomber, il n'était pas toujours chez le diable. Amen. Mais quand quelqu'un tombe, après sa vie doit être changée. Vous comprenez un peu? Pas tomber pour tomber. Quand quelqu'un tombe, la vie est changée. Il y a tombé qui est de l'onction du Saint-Esprit, il y a tombé qui est le diable qui secoue la personne, et puis la personne passe. Souvent, c'est quand accompagné des cris. Alléluia. Amen. Quand vous voyez que la personne tombe, et j'ai vu quelqu'un, chaque tombe, les démons, les mêmes démons pendant plus de 6 mois, c'est le même démon qui tombe. Ça ne va pas. C'est-à-dire que la personne là, les démons pas, elle va mal se comporter, les démons rentrent et la conscience de la personne devient pire. Alléluia. Vous comprenez? Jésus mène à ça, et tout ce qui est suivi et stupé, il dit, il commande avec autorité, puissance et autorité et puissance. Parce qu'il y a une différence entre autorité et puissance. Dans quel enseignement j'ai parlé? C'est pas sur l'Apocalypse, j'ai parlé de ces choses-là. La différence entre autorité et puissance, je vais vous parler ça après. Il parle avec autorité et puissance aux esprits impurs et il est sort. Jésus faisait la prière de la foi avec autorité. La prière d'autorité, c'est une prière de la foi, mais destinée aux démons et aux circonstances. Alléluia. Autrefois, vous voyez Jésus sur la barge, en train de dormir, la tempête venait. Amen. Jésus se leva, il parla à quoi? Au vent. Arrête-toi! Le vent s'est arrêté. C'est pour montrer que nous pouvons le faire, nous avons tout pleinement en lui et toute autorité. Du temps où je n'ai pas parlé de mon passé bien là, mais je sais que je serai encore meilleur demain. Amen, même si j'aurai la barbe jusque-là, mais les démons vont commencer à fuir comme ils fuyaient dans ma jeunesse. Il y avait un vent fort qui allait faire tomber notre immeuble là. Je suis sorti! Je parlais au vent avec autorité. C'était comme ça. Papa! Les enfants, mes grandes filles, je ne sais pas si Moïse était. Tu es témoin. Mille fois quand je voyais qu'il y a une pluie ou une neige forte, je prends autorité. Et tu vois, la neige cesse. Alléluia. Amen. Cette autorité vous a été donnée en Christ Jésus. Parce que nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Vous comprenez que vous allez voir l'exemple du Seigneur partout. Où il allait, il chassait les démons. Et quand les gens vous disent, oh, vous voyez les démons partout. Quelqu'un dit ça, il n'est pas loin d'être sorcier. Avec ce que j'ai découvert de cette personne-là. Amen. Vous savez que vous aviez des gens ici qui étaient vraiment dans les ténèbres longtemps, mais qui étaient ici dans l'église ici? Hein? Parce que moi maintenant, je n'ai plus mon cœur là. Quand tu vois que tu veux venir, les enfants que Dieu accueille richement dans le Seigneur, je te vois jouer beaucoup. Je t'expose publiquement. Alléluia. Si vous voyez les prédicateurs dire, oh, les gens ne parlent pas de voir les sorciers partout, soit il est avec, soit il est sorcier. Mais les sorciers sont partout. Partout. Pas en Afrique, ici, en Asie, partout, il y a les diables, il y a la sorcellerie, c'est l'esprit de contrôle des diables. Qui doit faire le travail de libérer les gens? C'est les chrétiens qui doivent prier. Quand il voit un démon venir vers
prêt à s'embêter. Toi, prends autorité sur ces démons. Les démons vont partir. Hier, je priais pour un enfant. Je voyais cet enfant-là, le serpent partout. Mais l'enfant est devenu incontrôlable à la maison. Quand je lui ai parlé, il écoutait comme un petit. Il y en a qui sont enlevés parce que je leur ai pas, je les compte comme des enfants. Mais j'ai dit, moi, je vais les gonder comme un enfant. Je ne peux pas arrêter ça. Si je le fais pour moi, là, Dieu va me punir. Si je le fais pour toi, toi qui as dit, tu te comportes comme un enfant, ta mort est là. Même quand la mort arrive, ça vient encore tomber sur ton pasteur. Il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. Les démons ne jouent pas avec, c'est dangereux. Mais ils sont partout. Mais nous ne devons pas avoir peur des démons. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Les morts, qui est en toi? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pas, il faut que tu exerces ton autorité. Du surplat, tout le monde. Non, on doit arrêter le surplat. On doit avancer. Tout le monde doit avancer ici dans tous les domaines. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. À toi, rétoilement au Shikabak. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui disent au voile de. Mais Jésus a fait, il a enseigné la parole. La première chose qu'il a fait avec autorité, il a enseigné ce jour-là. Dès le jour, il a chassé les démons. Et tout le ministère de Jésus, et chasser les démons était normal. Et quand il a appelé les disciples, Luc chapitre 10, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Luc chapitre 10. Alléluia. Les gens ne savent pas que quand par exemple on intercède pour vous, vos démons là sont devenus l'ennemi de la personne qui prie pour vous. Moi il y a des noms qui sont venus, c'est des ennemis là qui sont venus. Il y a un démon qui s'appelle Ousmane là. C'est devenu de quelqu'un que j'ai prié, j'ai délivré cet esprit. Il est venu m'attaquer en famille longtemps. Amen. Mais il a fui lui-même, il ne peut pas. Parce que moi j'ai un mandat de Dieu de chasser les démons et de briser la sorcellerie. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 10, il dit au verset 1, ça c'est Jésus qui choisit les disciples, ce n'est pas les apôtres, les gens confondent. Il a choisi 70 disciples, c'est comme vous et moi, les disciples de Jésus-Christ. Les envoya deux à deux dans toutes les villes et dans le lieu où. Dans le lieu où lui-même devait aller. Là où Jésus devait aller, il a envoyé les disciples. Donc là où nous allons maintenant, le Saint-Esprit sait nous diriger. Quand on est dans la pensée, dans la direction de Dieu, là où Dieu nous envoie, nous avons pleinement l'autorité d'agir. Mais Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Vous voyez, oh gloire à Jésus-Christ, mon Dieu. Il dit, ils sont partis deux à deux. Au verset 17, Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Oh, alléluia. Ils étaient émerveillés. C'est comme un jeune qui veut chasser un démon pour la première fois. Tu es content. Hein, je sais qu'il y a là, tu vois, un problème. Hein, j'ai prié, la prière de combat et puis la chose est partie. Et je me sens bien. Tu es content. Mais ça, c'est le mandat de tout chrétien. Alléluia. 70 revient, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu as le pouvoir sur tout pouvoir du diable. Rien ne peut te nuire. Pour vous qui sachez utiliser ton autorité dans ta prière d'autorité. Il y en a qui vont dire, oh non, ça c'est l'état de Jésus. C'est les disciples qui étaient avec Jésus. Vous allez entendre ça. Pas nous, les disciples qui étaient avec Jésus. Moi, je leur réponds, allez dans Marc, me dit, c'est les disciples qui étaient avec Jésus, ou c'est nous tous. Allons dans Marc 16, pas 11, 16. Alléluia. Marc 16, à partir du verset 16, jusqu'à la suite. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oracle, oracle de Dieu, le Fils de Dieu agit dans la paix maintenant. Fini la vie est là aujourd'hui. La vie est là. Toi, c'est la paix maintenant. Marc 16, verset 16, du quoi? Celui qui croira
Et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas. Et celui qui ne croira pas ne sera, sera condamné. Voici les miracles ou les signes dans notre version qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit quoi? Ceux qui ont cru. Est-ce que c'est les signes du temps de Jésus ou c'est nous aussi aujourd'hui? Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils peuvent boire quelques breuvages mortels, ils ne feront pas de mal, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc ce n'est pas seulement un mandat du temps, comme on dit, de la dispensation du temps de Jésus, mais c'est aussi maintenant pour nous, nous avons le mandat de chasser les démons. Alléluia. Et on chasse les démons par la prière d'autorité. Le schéma, c'est le même. Tu l'exprimes, tu crois que les démons parlent et tu verras les démons partir. Quand il s'agit de la prière d'autorité par rapport aux démons, aux circonstances, les modus operandi, ça s'opère, vous trouvez ça dans Marc 11, verset 23. Je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas son cœur, crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est le même mode opératoire. Quand il voit qu'il discerne un démon, un esprit qui n'est pas normal dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un, tu vas chasser avec cet esprit-là, quitte cette personne en Jésus-Christ et ne revient plus et la personne et le démon est dehors. Ton cœur là doit croire que ce que tu dis va arriver. Amen. Et je me rappelle dans ma jeunesse, quelqu'un qui avait créé ce livre, il était en train de prêcher, il y avait un démon qui est dessus, l'esprit du monde en vision sur quelqu'un. Et puis il chassait les démons. Chaque jour, les démons étaient là. Il dit la nuit, mais Seigneur, mais je chasse les démons, ils ne partent pas. Jésus lui a dit non. Tu ne crois pas que les démons vont partir. Quand on chasse les démons, c'est comme Jésus a parlé aux circonstances, comme il a parlé aux démons. Tu menaces avec autorité, mais avec foi, tu dois obéir, partir et revenir. Et ne plus revenir plus. Ne reviens plus. Alléluia. Hein? Qu'il ne revienne plus jamais. Alléluia. Amen. Donc, c'est toi qui agis avec autorité. Ça, c'est les choses pratiques de la chrétienté. Tu te plaindras moins, tu auras moins de problèmes dans la vie si ta vie de prière est sérieuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Juste en conclusion, quand vous allez de la prière, de la foi, vous vous adressez à Dieu. Tu n'as pas besoin de gronder Dieu. Au nom de Jésus, Dieu, donne-moi. Je ne dis pas. On ne gronde pas Dieu. Comment tu peux gronder Dieu? Mais quand tu t'adresses aux circonstances, et tu t'adresses aux démons, cette prière d'autorité, quand tu dis, oh non, je sors d'elle maintenant, l'esprit doit quitter et ne plus revenir. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc Dieu, tu ne grondes pas, tu demandes au nom de Jésus, humble devant Dieu. Mais pour les démons, tu es en position de force, parce que toi, tu es au-dessus des démons, tu les chasses. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu sens les pensées, par exemple, quand tu pries, tu vois les démons, les pensées venir, les pensées, ils ne sont plus. Tu chasses cela au nom de Jésus-Christ. Quand tu verras tes pensées captives à l'obéissance de Christ, tu iras captive tes pensées au nom. Tu sens les prières d'autorité que tu fais. Amen. L'autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'on chance de la sorcellerie finie aujourd'hui. L'esprit son marron qu'on chique comme à la caille. L'esprit des démons est parti. Je déclare tout signe des démons sur la vie de qui que ce soit maintenant. Brisez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends quand tu manifestes ta grande au cocher. Les cadavres va lâcher. La val, c'est la mort qui est passée à la val. La val, c'est la mort. Je couvre encore par dans les sangs de Jésus-Christ. On m'a rendu quand je suis couvert dans les sangs de Jésus-Christ. On lève de la mort, je déclare brisez maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est la tâche de Dieu est pleine aujourd'hui. Alléluia. C'est l'esprit, la pire de la sorcellerie finie. La pire de la sorcellerie brisée. Feuillet noir et affiché. La fuite des serpents. La serpent en fuit aujourd'hui. Père, je bénis ton Seigneur. Je te rends grâce. Alléluia. Alors, juste avant de conclure, juste 5 minutes. Quand il s'est demandé, fais pas ça. Il va t'attaquer, tu vas mourir. Amen. Jésus n'a jamais enseigné de dire notre Père et Fils. Jésus n'a jamais enseigné ça. On prie au nom de Jésus-Christ. Voyez un peu.
Dans ma famille, là, ma femme est là, il y a des sœurs religieuses, des petits frères prêtres et tout ça. Si tu vois les démons t'attaquer, tu dis, tu commences à faire ça. Non, non, ils vont t'attaquer. Prie au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de moi. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tout c'est l'œuvre que Jésus a accompli à la croix est déjà accompli. Tu auras des résultats incroyables dans ta vie. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous rendons grâce à ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. La prière de la foi. La prière qui transporte les montagnes. La prière qui détruit les œuvres des démons, parce que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je me lève contre toute la puissance clanique, contre tous les liens de famille, contre tous les liens de sorcellerie, contre tous les mariages de nuit, les liens impudiques de nuit. Je me lève comme maintenant hors de tout ce que les gens des ténèbres, les démons tentent de faire contre la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ces liens-là. Brisez au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute puissance de la nuit d'être brisée maintenant. À tout lien de sorcellerie, d'être consumé par le feu du Saint-Esprit maintenant. Je délie la vie de ces enfants-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce encore. Je bénis au Père, le progrès au Père, la croissance de cette maison de prière, au nom de Jésus-Christ. Laisse-toi, retrouve-moi dans la joie aujourd'hui. Retrouve-moi dans la joie, le sort. Le sort de la mort est brisé. Le voyant est mort. Le voyant est mort. Recochez, Malakaya. Et soyez, Maranda, courant ma chèvre. Qui est dans chez camarade? Regarde les frères. Le Père de Dieu est là aujourd'hui. La part de Dieu est là. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Je te rends grâce encore une fois. Omaramoshi Kamaranda Kame. Kame. Esprit de mort sur Kame. Sors Kame. Au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Omaramoshi Kamaranda. Dans toute la famille Mangala, au Père. J'ai ardent dans la fille du sud de tous les autres sœurs. Je brise cette puissance de la mort. Sors de cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous rendons grâce. Nous te disons merci. Accordez Jésus maintenant. Regardez Jésus-Christ est là, la vie est là. La vie est là, l'esprit de mort est brisé. L'esprit de mort est brisé, corps de nuit est brisé, le poids est parti aujourd'hui. Viens dans la joie maintenant, tout va bien, c'est un temps de paix. C'est un temps de paix, rencontre de Jésus est là. Ora kama shika malakaya. Au nom de Jésus-Christ, chutèche comme un chien. Sors de là, au nom de Jésus-Christ. La cage est brisée. Le sort de la cage est brisé. Connais la joie maintenant. Connais la joie, le sort est brisé. Viens, vers la joie est là. La joie aux ânes. Sorcellerie de la mort est brisée. La mort est brisée sur terre. Les souterrains sont brisés au Hachéke. Hachéchana. Yoshua Hachéchana. Ferez la paix. Et me rendez comme Hachéka Marodoshiki. Yé le Torah.